Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez et partagez ce direct dans tous les groupes. Vous serez surpris encore. Du CNRD. Vous êtes tous au courant du voyage du président Alpha Condé. Des voyages à Abu Dhabi et en Turquie. Dans des avions privés, jets privés. Lorsque Charles Wright fait croire aux sages de Cancan que Doumbouya n'a pas de problème, que c'est le CNRD qui a organisé tous ces voyages, qu'on l'a laissé partir, alors je mets le CNRD en défi. Son ministre du budget, du transport, le CNRD, on les met en défi qu'ils sortent les factures des voyages qu'eux, ils ont organisés. Mais je vous dis, c'est incroyable. Tous les deux voyages du président Alpha Condé, même 5 francs penny, le CNRD n'a pas payé. Vous pouvez croire à ça. Je les mets en défi. Demain, ils n'ont qu'à mettre les factures. Mais c'est méchant. C'est méchant. Même le deuxième voyage, ils ont retiré le passeport du président Alpha Condé. On vous avait dit ça ici. Les balas. Mais on ne va pas rentrer dans ces secrets. Comment le président Alpha Condé est parti sans un passeport guinéen. Non, mais c'est méchant. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas vous aimer. Fisrilom Balilous, vous êtes tellement méchant. Les deux voyages du président Alpha Condé, Abu Dhabi et la Turquie, 5 francs, ces gens-là n'ont pas payé. Kolaye Here Kalounye, Wallaye Alati Here Kalounye. Je vous mets en défi. Montrez aux Guinéens les factures. Montrez aux Guinéens quand vous êtes là à mentir. Non, Doumbouya, à tes présents, Alpha Condé compte là les aigris. Montrez les factures des deux voyages. Si vous avez mis 5 francs dedans parce que vous n'avez pas d'avion, vous allez dire oui. Alors si vous avez payé, sortez les factures. 5 francs, ils n'ont pas payé. Nyambolou. Et vous voulez que les gens vous aiment. Nyambo Balilou. Nka ou le fonko danka. Danka lalko. Albravi apa albravu la boutouka ke manamana kanfoy. Albravu la. Il y a des escrocs. Oui, CNRD, ce n'est pas parti politique. Personne, le peuple de Guinée. Personne ne veut de vous aujourd'hui. Les gens ont cru à vos promesses. Fausses promesses. C'est fini. Des menteurs. Ah voilà, DCI, moi je vous mets en défi. Montrez les balas qui ont retiré le passeport du président Alpha Condé. Aigrilou. Comme c'est vous qui l'avez envoyé. Ah ouais, prenez l'avion, vous allez partir le chercher. Ah lui, il était malu à l'aéré. Vous n'avez même pas honte. Vous étiez là comme si c'est vous qui avez envoyé le président Alpha Condé à Abu Dhabi. Même le billet. Même les frais du voyage. 5 francs, vous n'avez pas payé. Je vous mets en défi. Faites-le, moi, Damaro. Ne me payez pas. Ne demandez rien. Si vous montrez la facture, moi, Damaro, c'est fini. Je ne fais plus de vidéos ici. Des menteurs comme ça. Alte Maloyala, Yere. Alte Maloyala. Même le président Alpha Condé est là-bas. Il mange bas. Il ne mange pas bas. Al-Makote, Fisrilom Balilou. Vous l'avez donné de l'argent. Lorsqu'il partait, c'est vous qui l'entretenez là-bas. Des menteurs comme ça. Alte Maloyala, il y a fils de l'homme Balilou. Wallah, Alte Maloyala. Non, la fils de l'homme Balil a le dit. CNRD. Alte Maloyala, fils de l'homme Balil a le dit. Incroyable. Non, mais je suis dépassé. Quand vous les voyez faire des communiqués, voilà, on a décidé pour l'intérêt, c'est rentré, voilà, le président. Allah. Wallahi, Allah te dit ton honneur. En tout cas, merci aux bonnes personnes. Tous ceux qui ont organisé, qui ont fait en sorte pour que le président Alpha Condé voyage dans ces jets. Les amis, alliés, les bonnes personnes, tous ceux qui ont organisé ces voyages, nous vous disons merci. Aurait été ces malhonnêtes-là n'allaient même pas organiser un voyage. Mais Allah barakala m'a fait. Quand l'homme est béni, c'est ça, le président Alpha Condé, il est béni. Il a la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala.
Voilà. Lui n'a pas voyagé dans des avions de ligne de commerce. Kapwalinyene, président Fakonde. Wallahi, Allah Ta'ala Maloya. Allou les Maloyato. Vous savez, vous êtes comment aujourd'hui? CNRD. Vous savez comment vous êtes aujourd'hui? Votre situation. C'est comme si quelqu'un, il se couche sur son dos, il pisse en haut. Pipi là-bas où? Quelqu'un qui veut pisser, il se couche sur son dos. Alors, votre situation, c'est comme ça. Vous êtes couché, vous êtes en train de pisser, et le pipi descend où? Sur vous-même. La criave que vous avez créée là. Ça va vous rattraper. Tout le mal que vous êtes en train de faire. Il y a le procès de 22 septembre. Ça va vous rattraper. Tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça va vous rattraper. Vous êtes couché sur votre dos. Vous êtes en train de pisser. Et le pipi part où? Le pipi part où? Et ça, c'est comme ça votre situation aujourd'hui. Vous-même, vous saviez que c'est gâté. C'est gâté. Aloulanal kole kokan. Alia kakasunake. Al sunaji, ajitomini, ajitalu yere le kokan. Bi, al miria la kalia kalaton lila. Non, al lane al ko le kokanti. Le pipi sort, c'est en train de sortir. Voilà, votre pipi là, ce n'est pas comment. Akawanya ya kajitoli. Tout ce que vous êtes en train de faire, actuellement, votre pipi c'est en train de monter. Arrivé à un certain niveau, ça va descendre. Ajitomini, ajitalu le kokan, parce que vous êtes couché. Tout le mal que vous êtes en train de faire va vous rattraper. Le procès de 28 septembre. Vous voulez forcer la situation. Les forces vives, aujourd'hui, il y a l'unité. Ils ne vont pas vous lâcher. D'ailleurs, je vous apprends qu'ils ne vont même pas répondre à l'appel de demain. Et ils sont dans leur plein droit. Gomu ne peut pas venir comme ça. Oui, les forces vives, je vous invite, on dirait des bambins. Non. Ils ne vont pas répondre. Ils ne vont pas répondre à l'appel. Donc, il n'y aura même pas de rencontre demain. Tu ne peux pas venir comme ça sans courrier. Ouais, un communiqué. Voilà, parce qu'ils veulent manifester le 9. Voilà, je vais les appeler. Et puis, on va aller voir des guignols à côté là-bas. Non. On vous dit chapeau, les forces vives. C'est œil pour œil, dent pour dent. Actuellement, pas de recul. On a affaire à des bandits. Vous avez dit que vous avez l'armée, non? Vous allez voir. Que l'armée n'est pas avec vous. Bravo, Falignane. Nko Alta Baraban, Fos Taiko, Mosi Talko Bi, Foy Foy, Mosi Taiko, Al Braoulila, Al Dafo Kankan, eh, Afakarissa, Asinita, Abonita, Président Alpha Condé, Président Alpha Condé, Ani Doumbouya les barres là, entre président Alpha Condé compte là, même les voyages seulement pour aller se traiter, les deux voyages pour aller se traiter, et Allah, CNRD, et Doumbouya, toi tu n'as pas pu payer les frais, wallahi alaté, Dieu est là pour tout le monde, les deux voyages, où vous-même vous dites que le président part pour des soins, l'État guinéen, en tant que président, 11 ans dans ce pays, Al-Masara, Mobrel le Kassara. Wallahi, Al-Attaque Al-Niafeu. Al-Sababu. Fanka, Al-Ka Fanka Mita. Wallahi, Fanka Dibalbro. Mais c'est incroyable. Yeah, c'est incroyable. Ça dit, quand je m'assois. Na Fanka, c'est moi, mais nous irons. Al-Al Mirila. Al-Brabara Boutou, Kanyakoke, Kosuko. Comme moi, lui, Kalouko. Moi, c'était que l'Al-Kodi. Vous n'avez pas pu payer les voyages du président Alpha Condé. Deux voyages pour aller se soigner. C'est d'autres personnes qui ont payé les voyages du président Alpha Condé. Et vous voulez que nous sortons pour vous soutenir. On vous a dit, c'est œil pour œil, dent pour dent. Les forces vives, on vous dit merci et on vous soutient. Boudez la rencontre de demain. Ils n'ont pas dit qu'ils sont forts. Ce qui se passe dans les casernes, là, nous, on ne va plus parler de ça ici. Quand ça va déborder, là, ça va péter. Il n'a pas fait le coup d'État. Il n'est pas le seul homme en Guinée. Il y a d'autres militaires. Il n'est pas le seul homme fort. D'ailleurs, Mamadi, je vais l'appeler poule mouillée. Et si Mamadi, vraiment, il était homme, il n'allait pas laisser les alliés aller attaquer la présence. Il allait être devant les forces spéciales. Donc,
le rendez-vous du 9 reste maintenu. Voilà, le 9 mars reste maintenu, 11 en Belgique. Pour les États-Unis, nous sommes en train de travailler là-dessus aussi. Nous allons organiser pour nous ici. Bravo, Alignanao. Almako Barassa, Obarabanewe. Vous allez venir mettre nos cadres en prison. Les bandits sont en train de voler. Ils sont en train de nommer leurs copines partout. Regardez la petite fille qui est à Sonapi. Ambara nomme sa copine là-bas. Et après, c'est pour venir nous dire, c'est la refondation. Des gamines sans niveau. On les prend, on les nomme directeurs. Dans ce département, il y a des gens qui ont 15 ans d'expérience. Qui sont diplômés que la petite. Elle est là-bas seulement. Elle ne sait rien du tout. Et vous voyez le guignol derrière la petite fille. Ou ses dents au dehors. Vous ne voyez jamais ses dents au dehors. Mais quand il voit la petite seulement, il ne peut même pas retenir. Se retenir là-bas, vaurien, des vauriens comme ça. Mais Agnewa Matou, je vous ai dit, vous êtes en train de pisser. Votre pipi, ça monte. Vous êtes couché sur votre dos. Et ça va redescendre sur vous. Tout le mal que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Tout le mal. Vous saviez déjà que vous ne pouvez pas écarter l'UFDG de la course. Vous ne pouvez pas écarter le RPG de la course. UFR de la course. La société civile. Personne ne va accepter cela. Personne. Il y a d'autres qui ont cru que nous, on allait abandonner le combat là ou bien ils pouvaient nous manipuler. En tout cas, nous, bon, voici aujourd'hui. Parce qu'ils ont cru que non, FNDC, c'est rentré, c'est sorti. Maintenant, on dit les forces vives. Vous allez dire quoi? Demandez au temps de l'Ansana Conté. Quand les forces vives ont appelé, au temps de l'Ansana Conté. Lorsque Kouyaté est devenu Premier ministre. Et à part ça, les forces vives encore, au temps de Dadis. L'appel. Vous n'avez rien compris. Antewama, c'est vous qui ne dormez plus maintenant. Vous êtes dans les camps militaires, en train de parler aux militaires. Faut pas, on va faire ça. Mais les militaires, ils ne sont pas condés. Quand là, il m'a dit à faire son discours le 5 septembre, il a dit que lui, qu'il ne va pas défendre l'intérêt d'une seule personne. Qu'il est venu pour le peuple, non? Ah ouais. Maintenant, nos militaires, là aussi, ils sont là pour le peuple. Quand ils vont voir le peuple dans les rues, là, comme ça, ils vont sortir. Là, ils vont dire, Mamadi, c'est bon. Ah, tu es dans ton coin, là-bas. Les casernes, là. Vous allez comprendre. En tout cas, vive l'armée guinéenne. Vive le peuple de Guinée. Donc, c'était l'information à la famille. Kafalu Nyene, ko Mamadina la Molu, ko Viafola Lule, président Alpha Condé a voyagé Fla Susukeni, Kata Abu Dhabi, Turquie, Almadasi Kerembo. Moi, Damaro, je les mets en défi. Alia facture la bonne. Tes vidéos qu'il y a encore. Présent Alpha Condéra voyage Firi. Sigafé Abu Dhabi. À nous, Turquie. Mamadou Doumbouya Nara. Bandié. Et mou facture Yofi. Et Tania mou voyage organiseur. Présent Alpha Condéra Turquie. Aya Balolale. Ata Balolale. Pour nous, Anna Masale. Kafoko. Aye. Il mange bas. Il ne mange pas bas. Nalka daskere minawama, alia vila. Albra facture minawa présent alfa konema, alia ilana. Dadi c'était au Burkina. Beroko retere ou. 50 000 chaque 3 mois. Donc alou fisri l'on balilo, alou ketu si la boutou. Albra pre la boutou, anya ka hankiri la. Anke ta kere hankiri la, hankiri dolu. Al temmalu yala, alla sababu boni diamino. Nka ou le fali nyene ou. Mama dima alfa, présent alfa konela, keo. Présent alfa konele ka kemoye. Présent Alpha Condé le cas, initiative ta force spéciale créée. Nato ka foka te créé là. Mamadi très dit manipulé. A ma force spéciale est manipulée ka ta coup d'état. Ou bien c'est l'armée régulière qui l'a pris. C'est le cas Makambo il a pris. C'est le cas Alpha Yaya. C'est pas les forces spéciales. Grâce à qui on a créé les forces spéciales. Fils du nom Balilou. Alte malou yalao. Eh ben après, qu'on n'aime pas la Guinée. Vous aimez la Guinée? Alkal Bodialo. Souté Alumina. Ala te djito nonoro. Nala ala te djito nonoro. Ni président Alpha Condé namanya almale. Namanyu male kalnya wallahi ala te djito nonoro. Sadi mbara a fo nyene rom no ka kan sanglanté quoi. A fo kono voyager fla sous soukene. Les deux voyages. Ces arrogants là, même Saint-Franc ils n'ont pas payé. Saint-Franc ils n'ont pas payé. Non al te male ala fo. La vérité est en train de triompher. Les gens étaient calmes au départ.
On dit non, les gens de RPG, les gens ne sortent pas. Parce qu'il y avait trop de mensonges. Il y avait trop de mensonges. Ils étaient là à nous faire croire. Le président Alpha Condé, il est en train de faire les chantiers d'Alpha Condé. Alpha Condé avait peur, c'est rentré. Mamadi Doumbouya est venu pour sauver. Kana Mouloula Suno, via Kokan. Suno Manka Horon, Ali Fintaboro, Horon Ye. La Guinée a Horon Kachia. Fintaboro. Mais Horon, le Kachia. Vous venez vous flanquer en train de mentir. Deux voyages. Moi, je suis un qui a réalisé que Djamana Mibla, quelqu'un feigné. Deux voyages, 5 francs, vous n'avez pas payé. Eh non, mais je suis encore déçu de vous, le CNRD. Non, je suis encore déçu de vous. Bon. Na Allah Keba, la photo de Ilala, avant de couper. C'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Mamadi Doumbouya. Ok, la famille, je vais vous laisser. On se reprend demain, Inch'Allah. Voilà. Merci Siaka, merci à Bo, merci à Job Badjo, merci à vous. Voilà, on est ensemble. Et Benjamin Kamara, merci à vous. Merci à Lai Ibrahim Nabe Nabe. Merci, désolé pour du retard. Mais voilà, des nouvelles pareilles, c'est choquant, c'est énervant. Un président, 11 ans, c'est-à-dire c'est vauriens qui sont là. Ils ont été tous nommés ici par le président Alpha Condé. C'est vauriens qui font des communiqués à la télé, qui nous parlent du voyage médical du président. 5 francs n'a été payé par le gouvernement guinéen. 5 francs n'a été payé par ces vauriens, ces bandits qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est encore, c'est vraiment dommage. Non, Alte Maloyala Féo. Alte Maloyala. Et Bala, le deuxième voyage du président, il va retirer le passeport du président Alpha Condé. Bala, c'est pourquoi aujourd'hui tu es malade. Il te hérite sur le feu. Il te kenéa sur le feu. Il est fils de l'ombali. Il te remoto kokaya. Un tapissier comme toi, Bala. Momi qui est fini, président Alpha Condé. Ta famille est aujourd'hui en France. A Sababou Bonimini. Là, ça raconte le terrain. Alka Moussoro. Alou fils de l'ombali. Là, il a coup d'anka là, nous, quoi. Nous, aujourd'hui, ce que vous avez eu là, nous, on n'a pas eu. Mais ce que le président Alpha Condé a apporté à la Guinée, la route nationale. Simandou, qui était vendu à 100 et quelques millions, aujourd'hui, dans les caisses de l'État. L'électricité, président Alpha Condé, Akamike Djamanye. Nous, on est fiers de ça. Alou Mitara Krefe, vous avez tout eu. Alou Fisililom Balilou. Mais Anyewa Matou, aujourd'hui, Ayal Bro. Mais sinon, Atal Bro Ferra. La Guinée-Ka Bédite Allo. Il faut être reconnaissant un peu dans la vie. Maintenant, quand il y a un fils de l'homme balilé, quand il y a un chaitan moli, on y va matou. Donc, bonne nuit à tout le monde. On est ensemble. Sidi Kiba Magasuba, merci à vous. Voilà. Et là, Jean-Chérif Ba, merci. On est ensemble. Merci à tous les patriotes. Vive les forces vives. À bas les putschistes. À bas les narcos. Voilà. Vive le président Alpha Condé. On ne veut pas des ingrats. Moro kurung bansan keni nyon koka ku CNRD.